TF1 20h avec Jean-Claude Bourret. Jeux olympiques, déception au saut à la perche, pas de médaille pour la France, deux Polonais et un Russe sur le podium, le premier Français quatrième et le record du monde est battu. 1 milliard pour les énergies nouvelles, c'est l'investissement décidé par le gouvernement. Demain peut-être, vous roulerez à l'alcool et vous vous chaufferez au bois. Bolivie, l'après-coup d'État, les mineurs résistent toujours aux militaires. TF1, enquête sur place. Nouvelles ébris d'une drôle d'indépendance. À Port-Vila, succès des cérémonies officielles. À Santo, journée de deuil décidée par les francophones. L'unité du nouvel État, le Vanuatu, paraît menacée. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Les trois mousquetaires français de la perche sont terriblement déçus. Ce soir à Moscou, ils sont allés de désillusion en échec. Ce matin, certains commentateurs optimistes, des commentateurs français, voyaient précisément les trois Français rafler les trois médailles du concours à la perche. Eh bien, non seulement il n'y a aucune médaille pour la France ce soir, mais le Polonais Kazakiewicz s'est même offert le luxe de battre le record du monde détenu par Ouvion en bondissant à 5,78 m. Avec Daniel Potras, le résumé de la déception française. Oui, les choses sérieuses ont commencé à 5,55 m et le favori du public, Volkov, passe. Klimczyk, le Polonais, aussi. Et Philippe Ouvion va tenter la même hauteur. Philippe Ouvion, recordman du monde avec 5,77 m depuis une dizaine de jours. Philippe Ouvion passe lui aussi. Mais en revanche, regardez bien Thierry Vigneron, en qui beaucoup voyaient le meilleur espoir français. Thierry Vigneron, le plus jeune aussi, avec ses 20 ans, qui a tout l'avenir devant lui. En redescendant avec son genou, il faisait tomber la barre. Thierry Vigneron était à ce moment-là éliminé. Bello, lui, tente 5 mètres... 60 aussitôt après. Il ne tente pas 5,55 pour essayer de gagner un essai. Et il passe, il prend à ce moment-là Jean-Michel Bello la tête du concours. Mais pas pour longtemps car Kozakiewicz, le Polonais, qui détenait il y a peu le record du monde avec 5,72, lui il tente 5,65 et c'est lui qui prend la tête à ce moment-là. Ils sont 6 à cette hauteur, 2 Français, Ouvion et Bello, Volkov le Soviétique, et puis 3 Polonais, Kozakiewicz, Tuzarski et Klimczyk. Bello... essai, c'était hauteur, 5,65 m. Mais à son tour, il échoue. Et derrière lui, derrière Jean-Michel Bello, sous les sifflets du public, c'est Philippe Ouvion qui va tenter. Malgré ses sifflets, il passe et il est actuellement en passe de remporter une médaille. Sluzarski, le Polonais, passe aussi. Et il y a donc deux Polonais, un Soviétique et un Français pour les trois médailles. Mais pour l'obtenir cette médaille, à cause du nombre d'essais qui départage les concurrents, il faut absolument que Philippe Ouvion franchisse 5,70 m. Il ne pourra pas le faire. Sluzarski non plus, qui sera troisième. Volkov non plus, qui sera deuxième. Quant à Kozakiewicz, qui est dans un jour où tout lui réussit, non seulement il va passer 5,75 m, mais aussi 5,78 m, ce qui constitue le nouveau record du monde. L'ancien recordman était Philippe Ouvion. Donc les Français sont quatrième Ouvion, cinquième Jean-Michel Bello et septième Thierry Vigneron. Alors que vous revoyez cette image de Kozakiewicz devant la flamme olympique. Et bien voilà, ce mercredi est une mauvaise journée pour le sport français puisqu'il n'y a pas de médaille à vous annoncer aujourd'hui. Christian Dio n'a pas eu de médaille en judo. En revanche, les épéistes se sont qualifiés pour les demi-finales de demain. Ils rencontreront les Soviétiques dans l'épreuve d'épée par équipe. Et puis en canoë et kayak, nous avons 4 bateaux sur 5 qualifiés pour le tour suivant. Et en haltérophilie, je dois vous dire que celui qui faisait sa rentrée, le mastodonte soviétique Alexeyev, a raté cette rentrée puisqu'il a été éliminé. Il n'aura donc pas de médaille dans ces Jeux.
ces Jeux. Aujourd'hui, il y avait également d'autres épreuves en athlétisme. Jean-Claude Audin. C'est la finale du 400 mètres plat. Nous attendions le Cubain Alberto Huantorena. Nous espérions Huantorena. Mais c'est le Soviétique Victor Markin qui remportera ce 400 mètres en battant également le record d'Europe avec 44 secondes 60 centièmes. Alors que l'Australien Richard Mitchell soufflera sur la ligne la médaille d'argent à l'Allemand de l'Est, Frank Schaeffer. Quant à Huantorena, le double champion olympique de 1976 à Montréal, en 400 et 800 mètres, il se classera quatrième. Dans la finale du poids homme, c'est le Soviétique Kiselyov qui a remporté à 23 ans la médaille d'or avec un lancer à 21 mètres 35, améliorant sa performance de 43 cm. Dans la finale du 200 mètres dames, c'est l'Allemand de l'Est, Verva Vokel, qui obtient la médaille d'or en réalisant un temps de 22 secondes 3 centièmes, nouveau record olympique. Et puis Moscou toujours avec cette curieuse manifestation de 20 000 personnes qui se sont recueillies devant le théâtre de Moscou après la mort de l'acteur soviétique Vladimir Vysotsky, le mari de Marina Vladi. C'était un poète et un acteur qui contestait souvent le régime soviétique. Comment ces 20 000 personnes ont-elles appris la nouvelle, qui n'a été donnée évidemment par aucun journal soviétique, de Moscou, Gabriel Mérédic. Moscou a finalement connu sa première grande manifestation spontanée, non olympique. Des milliers, des dizaines de milliers de moscovites ont voulu en effet rendre un ultime hommage à Vladimir Vysotsky. Vysotsky, acteur, chanteur, auteur, compositeur, était incontestablement l'un des personnages les plus populaires du pays. À part un tout petit entrefilet, un faire-part officiel de décès, publié dans un quotidien local de Moscou, ni la presse soviétique, ni la radio, ni la télévision n'ont annoncé sa mort. Et pourtant, dès l'aube, des milliers de personnes avaient commencé à se rassembler autour du théâtre de la Taganka, où Vysotsky avait créé, entre autres, un extraordinaire Hamlet. Les autorités inquiètes, malgré le blackout officiel, avaient mis en place un dispositif de sécurité imposant. Et pourtant, des milliers de personnes ont tenu à défiler devant le cercueil où reposait, conformément à la tradition russe, celui dont tout le pays connaissait les chansons. Car Volodia, depuis 10 ans, marié avec Marina Vladi, avait su toucher tous les Russes. Le passé, les camps, la misère, Vysotsky les avait chantés. Ce qui explique pourquoi les soviétiques n'ont jamais voulu publier en 33 tours un seul de ses disques. Ce qui explique enfin pourquoi la télévision soviétique n'a pas montré une seule de ses images. L'énergie solaire était au programme du Conseil des ministres de ce matin. Le gouvernement fait un très gros effort en faveur de l'énergie solaire. Cette année, le développement des énergies nouvelles se traduira par 1 milliard de francs en investissements et en travaux de recherche. Il y a 3 ans, on avançait que l'énergie solaire produirait 5% de nos besoins en énergie en l'an 2000, dans 20 ans. L'estimation a été révisée en hausse considérable, puisque le gouvernement a fixé à 10% dans 10 ans seulement la part que produiront les énergies nouvelles. Le ministre de l'Industrie, M. Giraud, a souligné que des progrès décisifs avaient été réalisés dans 3 domaines, le chauffage solaire, l'utilisation du bois de feu et la géothermie. Le nombre des capteurs solaires sera triplé cette année et doublé l'année prochaine. Peu de Français savent en effet ce qu'est véritablement l'énergie solaire et comment cela fonctionne. C'est la raison pour laquelle le commissariat à l'énergie solaire poursuivra son effort de promotion des énergies renouvelables. Si la technologie des capteurs solaires est bien maîtrisée maintenant, il est plus difficile d'utiliser la géothermie. Un exemple à Coulommiers, près de Paris, un reportage de Michel Chevalet. Cette installation de forage que vous découvrez en ce moment est absolument semblable à celle qu'utilisent les pétroliers pour en quelque sorte rechercher le pétrole. Mais elle va vous faire comprendre que les énergies dites nouvelles et notamment la géothermie sont des opérations beaucoup plus complexes qu'on ne le croit. Pourquoi ? Parce que ici, nous sommes dans la banlieue est de Paris, près de la ville de Coulommiers. Et là, on procède à un forage géothermique. C'est-à-dire qu'avec cette installation, actuellement, on fore à 2000 mètres de profondeur dans la nappe du Doguer qui est à 85 degrés. Pourquoi ? Eh bien, pour chauffer un véritable réseau, si vous voulez, près de 1000 logements d'HLM, un hôpital et un groupe scolaire. Bref, de quoi procurer de notables économies d'énergie sur le plan du chauffage. Seulement, voilà, il faut au préalable forer 2 trous avec une installation semblable à celle-ci. Coût de l'opération, eh bien, 1 milliard de centimes pour les 2 forages. Comme quoi, vous voyez que ce genre d'opération ne peut être réalisé que pour de très gros ensembles. Mais ce que l'on vient de dire pour la géothermie, qui est pourtant une énergie
évidente, facile, j'oserais dire qu'il n'y a qu'à se baisser pour la ramasser, est également vrai pour l'énergie solaire, qui est une énergie faussement simple. Par exemple, eh bien, dans le programme Alcool qu'on lance actuellement, on va seulement passer à l'étude et à la réalisation de deux unités de gazéification de substances végétales pour fabriquer du méthanol. Méthanol qui pourra servir ensuite comme carburant dans les moteurs mélangés à l'essence à raison de 10 à 20%. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Également, dans le domaine des énergies nouvelles, en ce qui concerne toujours la biomasse, eh bien, on va étendre à près de 4000 logements une expérience qui a été réalisée à Creil et qui consiste à chauffer des HLM au bois. En résumé, les énergies nouvelles sortent peu à peu du laboratoire, du service, du centre de recherche, pour devenir une véritable réalité. Mais ceci ne pourra se faire que très lentement. Monsieur André Giraud, le ministre de l'Industrie, a aussi présenté l'ensemble des recherches sur la biomasse. La biomasse, c'est l'utilisation des déchets agricoles qui, en fermentant ou en brûlant, pourraient donner du gaz à bon marché. Le Conseil des ministres a également approuvé une réorganisation du groupe pétrolier Elf, le second groupe français par le chiffre d'affaires et le premier pour ses bénéfices. Jusqu'à présent, un seul homme, l'ancien ministre Albin Chalandon, présidait à la fois l'ERAP, l'établissement public qui détient les parts de l'État majoritaire dans le secteur national Elf Aquitaine, et la société elle-même. Le Conseil des ministres a mis fin à ce cumul, nommant Pierre Albi, le président du Gaz de France, président de l'ERAP. Il est chargé de veiller à ce que la politique du groupe, présidée par Albin Chalandon, soit conforme à la politique énergétique élaborée par les pouvoirs publics. Toujours en Conseil des ministres, les dates des élections présidentielles de l'année prochaine ont été fixées. Le premier tour aura lieu dimanche 26 avril et le deuxième tour, 15 jours plus tard, le dimanche 10 mai. Pour la troisième fois, le président Valéry Giscard d'Estaing a reçu un député socialiste afin de s'entretenir directement des problèmes régionaux. Cette fois, il s'agit de M. Henri Darras, député maire socialiste de Liévin, dans le Pas-de-Calais. Le président Giscard d'Estaing a longuement reçu le parlementaire, puisque l'entretien a duré 2 heures. Il s'agissait pour le président de la République de prendre connaissance, dans le détail, des conséquences de la crise qui frappe le Nord et le Pas-de-Calais. Une région où, d'ailleurs, M. Giscard d'Estaing se rendra en octobre. À la sortie de l'Élysée, Bruno Mazur a demandé au parlementaire socialiste s'il était satisfait de cette rencontre. Eh bien, je suis satisfait de cette rencontre dans la mesure où, vous avez pu le constater, elle a duré 2 heures et que par conséquent, j'ai pu exposer au président de la République tous les problèmes concernant mon département. Que ce soit les problèmes du littoral, que ce soit les problèmes de la région agricole, le département du Pas-de-Calais est un des premiers départements agricoles de France, que ce soit les graves problèmes du bassin minier. Nous avons fait vraiment le tour de toutes nos difficultés et c'est déjà un résultat. Mais j'ai trouvé un président de la République réceptif aux observations et aux suggestions que j'ai pu faire au nom de l'Assemblée départementale. Vos collègues communistes vous ont reproché par avance cette démarche? Là, écoutez, moi, je suis, disons, je pense, un homme de logique et de raison. J'ai vu le maire de Saint-Étienne venir plaider la cause de Manu France ici à la présidence et en ressortir en disant d'ailleurs qu'il avait été satisfait de son audience. Il a plaidé la cause de 1700 travailleurs menacés de chômage et par conséquent, moi je viens plaider à la demande de l'Assemblée départementale la cause des 43 000 chômeurs du Pas-de-Calais. Alors j'estime que je fais mon devoir comme l'a fait le maire de Saint-Étienne, ni plus ni moins. Et alors pourquoi, d'un côté, est-ce une démarche valable et de l'autre côté, ce ne serait une démarche inacceptable? 48 heures après les déclarations de Georges Marchais à Moscou en direct sur TF1, notre confrère Le Monde publie une longue interview exclusive de François Mitterrand. Avec des jugements chocs, par exemple celui-ci, la doctrine de défense française pourrait conduire à une sorte de neutralisme. Alors, Patrice Duhamel, vous avez analysé cette interview. Voyons-en, si vous le voulez bien, les grandes lignes. Oui, et d'abord une confirmation pour François Mitterrand qui sort avec cette intervention dans Le Monde d'un silence assez prolongé, une confirmation donc de ses critiques contre la politique étrangère du gouvernement. Le numéro 1 socialiste conteste les résultats du sommet de Varsovie et note que l'amitié avec l'Union soviétique ne doit pas se fonder, je le cite, sur la complaisance. Il parle de méli-mélo à propos de l'Alliance Atlantique dont il souhaite un réexamen urgent et nécessaire. Il s'inquiète également du problème de l'équilibre des forces en Europe et réaffirme son hostilité à la fabrication et au développement de l'arme à neutrons. François Mitterrand, qui se déclare également préoccupé par le déclin de l'esprit communautaire chez les neufs, c'est son expression,
reproche globalement à la politique extérieure actuelle de s'efforcer, je cite encore, de plaire à l'interlocuteur du moment. Ces critiques ne sont pas nouvelles, mais les déclarations du premier secrétaire du PS soulignent aussi et peut-être surtout la profondeur du fossé entre socialistes et communistes sur ce problème essentiel de la politique étrangère. François Mitterrand réclame par exemple la reconnaissance de la résistance afghane alors qu'il y a 48 heures sur TF1 en direct de Moscou, Georges Marchais confirmait lui son adhésion totale aux thèses de Moscou sur l'Afghanistan. Et puis sur le plan national, ces divergences continuent d'ailleurs de dominer les relations PCPS en annonçant ce matin à la presse la réponse négative du Premier ministre à la demande d'une session extraordinaire du Parlement sur la situation économique et sociale. André Lajoigny a bien insisté à l'issue d'un bureau politique du PC sur le fait que seuls les communistes avaient formulé une telle demande. Sous-entendu, les socialistes ne s'y sont pas associés. Alors à moins de 9 mois des présidentielles, les anciens alliés restent donc des adversaires irréductibles. Toutes ces déclarations en apportent une nouvelle preuve. Elles annoncent sans doute pour l'automne une lutte sans merci entre les candidats de l'opposition. Alors, lors du bureau politique du Parti communiste, cet après-midi, il a été décidé de publier demain intégralement le texte de l'interview que Georges Marchais avait accordé à TF1 en direct de Moscou. On sait que plusieurs coupures de ce texte avaient suscité une polémique. Le Parti communiste souligne qu'il n'y avait dans les coupures purement techniques pas la moindre intention politique. L'Humanité publiera donc demain l'intégrale de l'interview pour rectifier cette erreur et mettre un terme à un mauvais procès, a souligné Pierre Juquin, membre du bureau politique du Parti communiste. Aux nouvelles hébrides, de curieuses atmosphères, le premier jour de l'indépendance, les cérémonies dans l'île principale, l'île d'Espiritus Santu, c'est-à-dire l'île de l'Esprit-Saint, n'a pas été marquée par des débordements de joie à l'occasion de la naissance de la République. Les nouvelles hébrides, qui comptent plus de 80 îles réparties sur 850 km d'océan, représentent autant de particularismes. Et ceux de l'île d'Espiritus Santu ne veulent pas entendre parler du pouvoir central qui a pris la succession du condominium franco-britannique. Sur place, l'envoyé spécial de TF1, François Debré, et l'analyse par Alain Chaillou des problèmes de la jeune République de Vanuatu. En présence du duc de Gloucester, représentant de la reine d'Angleterre, et d'Olivier Stirne, représentant Valéry Giscard d'Estaing, le Premier ministre du Vanuatu, M. Walter Lini, a prononcé son premier discours de chef d'un gouvernement indépendant. La foule mélanésienne a applaudi au défilé, aux fanfares et aux danses tribales. Les chefs coutumiers en complet veston, recouverts d'un pagne de raffia, ont assisté sans broncher aux cérémonies. Les enfants des écoles ont agité les petits drapeaux. Jour de fête réussi donc à Port Vila. Mais l'enthousiasme n'a pas été identique dans tout l'archipel. À Santo, l'île sécessionniste, c'était jour de deuil, ainsi que dans bien d'autres localités, car cette indépendance ne s'est pas faite dans l'unité. L'intransigeance du parti anglophone a rendu impossible tout accord avec les représentants de près de la moitié de la population, la moitié francophone. Pour le Premier ministre, M. Lini, et ses conseillers australiens, l'indépendance semble parfois signifier avant tout la fin de l'influence française dans l'archipel. C'est cela que n'accepte toujours pas Amy Stevens, le chef coutumier de l'île de Santo, les populations de l'île de Tana, dont le député a été assassiné, et tous ceux qui savent que désormais, le pouvoir est aux mains d'hommes qui n'entendent pas le partager. Un nouvel État est donc né, qui est loin encore de constituer une nation. Seule chance de succès pour le Vanuatu, que le Premier ministre M. Lini fasse preuve de modération et de compréhension à l'égard de ses adversaires politiques, ce qui n'est pas dans ses habitudes. M. Lini, leader de la majorité anglophone, formé en Tanzanie, a toujours fait preuve d'une intransigeance sectaire à l'égard des francophones, ou plutôt des francophiles. Alors acceptera-t-il de partager ce pouvoir auquel il a pris goût? Acceptera-t-il une décentralisation très large que réclament les francophones? Rien n'est moins sûr. D'autant plus qu'il peut compter sur l'appui de l'Australie toute proche et de la Papouasie qui a décidé de prêter des soldats au nouvel État, un bien mauvais signe. Pour freiner les mauvais instincts de M. Lini, la France, elle, frappe au porte-monnaie. Elle compte que l'aide financière importante qu'elle se dit prête à consentir fera réfléchir tout le monde. En attendant, rarement décolonisation n'aura débouché sur une situation aussi confuse. Grand responsable de cet état de fait, ce statut absurde et bâtard de condominium sous lequel ont vécu les nouvelles hébrides pendant 75 ans. Port Vila,
pauvres clochemerles tropicales, où Français et Anglais ont continué à jouer à la guerre de 100 ans à l'ombre des cocotiers. Un bien mauvais exemple pour les Mélanésiens, déjà séparés par l'éparpillement de leurs îles, la mosaïque de leur langue, et obligés de choisir entre deux maîtres et entre deux cultures d'importation. Alors dans la République du Vanuatu, tout peut arriver, même le pire. De la manière dont évoluera la situation aux Hébrides dépend en partie l'avenir de la francophonie dans le Pacifique et celui aussi de la Nouvelle-Calédonie, de Tahiti, de Wallis et Futuna, dernier confetti de l'empire colonial français dans cette région. Le personnel de Manu France a cessé le travail et depuis la fin de matinée, l'usine est occupée. La poursuite de la grève dépendra des résultats du conseil d'administration qui se tient actuellement à Paris. En quelque sorte, c'est la réunion de la dernière chance pour sauver l'entreprise stéphanoise. Et puis une déclaration du maire de Saint-Étienne tout à l'heure disant que personne n'a le droit de prendre la responsabilité de la disparition de Manu France. La candidature de Michel Debré est bénéfique. Cette déclaration de Maurice Schumann va sans doute provoquer quelques commentaires dans les rangs gaullistes. Pour l'ancien ministre général de Gaulle, la candidature de Michel Debré oblige les Français à poser les vrais et les grands problèmes devant leur conscience et devant leur histoire. Yvan Bourges, répondant aux questions, aux critiques surtout de Michel Debré sur la politique de défense française, a tenu à confirmer aujourd'hui que la France disposera d'ici quelques temps d'un nouveau système d'armes sol-sol mobile dont les études devront être présentées en 1982. La popularité de Jimmy Carter est au plus bas. D'après le dernier sondage, 77% des Américains désapprouvent globalement l'action de leur président. Jimmy Carter, qui vient pour sa part de faire savoir que les États-Unis ne boycotteront pas la rencontre de Madrid, réunion portant sur les accords d'Helsinki, réunion où l'URSS doit être présente. Nouvel attentat à la bombe en Iran ce matin, attentat qui a fait 7 morts, une trentaine de blessés. L'Iran qui n'a toujours pas de premier ministre, un nouveau candidat est sur les rangs et ce n'est pas des moindres, il s'agit de l'ayatollah Khalkhali, le procureur des tribunaux islamiques. Autre attentat à Beyrouth, cette fois l'explosion d'une voiture piégée par un système de télécommande, bilan de très nombreux blessés et plusieurs voitures détruites. Conflit social sans précédent à Johannesburg, 10 000 employés municipaux sont en grève depuis 3 jours. Il s'agit de l'une des plus grandes grèves de l'histoire de l'Afrique du Sud. Le gouvernement, très préoccupé, menace de mettre à pied tous ceux qui, demain, ne reprendraient pas le travail. Antiope, le système français de télétexte qui permet de diffuser des mots et des graphiques sur les récepteurs de télévision, semble particulièrement être apprécié par les États-Unis et notamment par la chaîne de télévision CBS qui le recommande. Antiope est en concurrence avec deux systèmes anglais identiques, mais la CBS juge ce système mieux adapté au développement technologique du futur. Le système français a été mis au point par une filiale de TDF, Télédiffusion de France. L'URSS pourrait fournir beaucoup plus de gaz que prévu à la France, 14 milliards de mètres cubes au lieu de 4 milliards de mètres cubes en 1984. La décision sera prise avant la fin de l'année. Si le contrat a été conclu, il faudrait bien évidemment construire un immense gazéoduc entre la Sibérie occidentale et l'Europe de l'Ouest. Belle prise pour la police portugaise, elle en effet saisit près de Lisbonne une tonne de haschis. Saisie qui a permis aussi de démanteler tout un réseau et d'arrêter un gros trafiquant de nationalité hollandaise. Éric Tabarly, à bord de son hydrofoil, s'apprête à battre le record de la traversée de l'Atlantique. Parti le 22 juillet avec 3 équipiers, il est actuellement en bonne position pour battre le record de Charlie Barr, record qui date de 1905. Pour être fixé définitivement, il va bientôt, bien sûr, falloir attendre un peu, attendre le 3 août. Le musicien Pierre Spears est mort. Bien connu des téléspectateurs, il animait il y a quelques années de nombreuses émissions de variété. Il avait aussi accompagné Joséphine Baker, Tino Rossi. Depuis quelques années, il avait abandonné la télévision pour animer les soirées sur des bateaux de croisière. Et c'est là qu'il a trouvé la mort, sur le Mermoz, en jouant de l'harpe. À propos du tremblement de terre que vous annonciez hier soir, Jean-Claude, tremblement de terre qui a eu lieu en Inde, eh bien, on apprend aujourd'hui que ce tremblement de terre a fait 6 morts et 13 blessés, moins 2 victimes en fait que l'on pouvait le craindre. Le loto, maintenant, je pense, voilà. Il fallait jouer le 3, le 5, le 11, le 13, le 19, le 41 et comme numéro complémentaire, le 12. Pour la première fois, un conducteur de locomotive a été victime d'un évanouissement alors que le train qu'il conduisait arrivait en gare de Colmar. Le turbotrain a finalement stoppé grâce au déclenchement du système de sécurité. Ce turbotrain assurait la ligne Strasbourg-Lyon. Il est reparti avec 1 heure de retard après que l'on ait acheminé sur place le conducteur remplaçant. Dans chaque locomotive existe en effet le système que l'on appelle de l'homme mort, système qui permet d'assurer la sécurité totale des voyageurs en cas de défaillance du mécanicien. Les explications de Jean-Paul Larivière.
Les locomotives du réseau de la SNCF, qu'elles soient électriques, à turbine ou à moteur diesel, sont désormais conduites par un seul agent. Mais elles disposent de deux systèmes de sécurité. Le premier est un dispositif d'arrêt automatique du train en cas de défaillance du mécanicien. La main du conducteur doit presser ce volant toutes les 50 secondes et son pied doit rester posé sur cette pédale. Si le mécanicien n'observe pas ses règles, la motrice s'arrête toute seule. C'est ce dispositif qui existe depuis 1963 qui a joué pour le turbotrain Strasbourg-Lyon. Le deuxième système de sécurité est une liaison radio-téléphone avec haut-parleur transmetteur d'ordre qui permet au centre de régulation du réseau SNCF d'entrer en relation avec le conducteur d'une machine en marche. Les 25 centres de régulation qui contrôlent tout le réseau ferré français peuvent ainsi être avertis de tout incident ou déceler eux-mêmes toute anomalie dans le bon fonctionnement du trafic. Une dernière minute qui me parvient à l'instant, un télégramme de Jérusalem. La loi fondamentale proclamant Jérusalem réunifiée, capitale éternelle d'Israël, a été adoptée ce soir par la Knesset, c'est-à-dire par le Parlement israélien, par 69 voix pour, 15 voix contre et 3 abstentions. Plusieurs députés sont sortis de l'hémicycle pour ne pas prendre part au vote. Près de 2 millions de Français prendront le train entre demain, 31 juillet, et le 5 août. Alors, après le reportage que vous venez de voir, j'imagine que, si c'est votre cas, vous serez rassuré sur la fiabilité de la SNCF, si toutefois vous en aviez besoin. Sur les routes, on attend plus de 3 millions de véhicules entre demain, jeudi, et le 3 août. Je vous rappelle que Bison Futé est très inquiet pour la journée du vendredi 1er août que vous voyez sur votre écran. Il ne faut pas partir entre 3h et midi, période très chargée. Inquiétude également de Bison Futé pour le samedi 2 août. Il ne faut pas partir entre 3h du matin et 15h l'après-midi, sinon vous risquez de mettre beaucoup plus de temps que prévu. La météo maintenant, bien cet après-midi, les températures étaient voisines de 20 degrés, sauf dans le midi méditerranéen où elles dépassaient 25 degrés. Le temps demain sera beau et chaud en toute région, enfin une excellente nouvelle. Cependant, il y aura quelques petits orages près de la côte atlantique. Vers 23h40, le dernier journal vous sera présenté par Ladislas de Hoyos. Bonsoir et merci.